Bonjour, monsieur Camara. Bonsoir, monsieur Badi. S'il vous plaît, présentez-vous aux téléspectateurs de guinematin.com. Merci, monsieur Badi. Moi, je suis Mohamed Samba Camara, président de l'association de Wienbo à Conakry. Je suis ingénieur agronome, spécialiste en biogaz. Je suis consultant national de biodiesel. Oui. Je suis là à Guinée-Matin ce soir. Et vous travaillez au compte du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts? Actuellement, je travaille au compte du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Voilà, monsieur Camara, pourquoi vous êtes à Guinée-Matin ce mercredi 25 août 2021? Je suis là ce soir parce que ma sous-préfecture, c'est-à-dire ma commune rurale, Wienbourg, a subi des tempêtes qui ont été désastreuses pour ma commune rurale, pour Wienbourg. Oui, ces tempêtes se sont déroulées dans les premiers 15 jours du mois de juillet dernier. Quatre districts ont été touchés. Oui, lesquels? Premièrement, mon district d'Arao, le district d'Arao. Deuxièmement, le district de Maouba. Troisièmement, le district de Waringi. Quatrièmement, le district de Toumbé. Très bien. Et quels ont été les dégâts constatés après le passage de cette tempête? Les dégâts que nous avons constatés, c'est par contact téléphonique. Les victimes nous ont appelé d'un village à l'autre. En Darao, il y a eu deux villages victimes. Djolou Sadio, premièrement. Boval Lemuneu, deuxièmement. Là, il y a eu des victimes. Il y a eu 13 victimes. 13 concessions endommagées à Djolou Sadio pour 8 cases couvertes en paille. Plusieurs manguiers ont été endommagés. Déracinés. Ont été déracinés, effectivement. À Boval, Lemuneu, il y a eu aussi 3 familles qui ont été victimes. Des manguiers déracinés. Les victimes, c'est des maisons couvertes en tôle qui ont été déracinées. Qui ont été détruites. Qui ont été détruites. À Boval, Lemuneu. Et dans le district de Maouba, il y a deux Mouroudi. Il y a eu 4 victimes. Il y a eu Fartaoum qui a eu une victime, une famille victime. Il y a eu Baré, le village de Baré, là-bas aussi. Il y a eu 4 victimes. 4 familles. 4 familles et victimes. Il y a eu à Koulamangui, centre. Là, c'est 2 familles qui ont été victimes. Donc, ces victimes en un mot, c'est à travers des concessions qui sont détruites ou bien c'est des maisons qui sont décoiffées ou c'est quel genre de dommages que ces familles ont subi? Les dommages que ces villages ont enregistrés, c'est la destruction des bâtiments couverts en tôle.
des cases couvertes en paille, le déracinement des manguiers. Après ce boom, par exemple, ces trois concessions qui ont été touchées. C'est Tcherno Galissa Keta, sa maison a été touchée. C'est Sani Bala Keta aussi, sa maison a été touchée. Et c'est Galle Keta aussi, lui aussi il a été touché à Fefine. À Fefine. À Fefine Garandou, là-bas aussi, il y a eu quatre familles qui ont été touchées. Après Fefine Garandou, c'est Fartaoum. À Fartaoum, là, c'est la foudre qui est venue toucher une construire un bâtiment en tôle. Les flammes sont allées toucher une case en paille qui a pris feu. Heureusement, les habitants étaient au champ. Ils sont venus, personne n'était à côté, la case n'a pas été épargnée et tout se continue. La maison en tôle a été détruite aussi par la foudre. Ok, et en tout, il y a eu combien de familles victimes et combien de cases et de bâtiments qui ont été touchés, voire même d'arbres déracinés? Il y a eu 186 personnes touchées en tout. Il y a eu 49 familles. Ou concessions. Concessions. En tôle et en paille. Ok, donc 49 cases et bâtiments. 49 cases et bâtiments ont été touchés. Et 69 manguiers ont été déracinés. En état de production. Des grands manguiers, j'avais. Des grands manguiers en état de production, effectivement. Tous ces manguiers étaient en état de production. Voilà. Est-ce qu'en dehors de ces arbres fruitiers, de ces habitations, il y a eu d'autres dégâts, par exemple au niveau du cheptel? Au niveau du cheptel, il n'y a pas eu de dégâts. Seulement à Walingi, dans le district de Walingi, il y a eu des dégâts. Tout un bâtiment est parti là. Là-bas aussi, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. Okay. À Horebenja, ça c'est une maison, une case en paille qui a pris feu, dont le propriétaire aussi était absent, avec tout son contenu, tout le continent a été calciné. Si je comprends bien, cette tempête ou ces tempêtes, parce que vous parlez de plusieurs tempêtes, ont balayé cette sous-préfecture d'est en ouest. Effectivement, cette tempête est venue du côté de Koumbia, ça c'est vers, disons, l'ouest. Vers l'ouest. L'ouest, c'est vers Fartaoum, c'est vers Boké, l'ouest. C'est l'autre côté. Koumbia, c'est l'est. Koumbia, c'est l'est. Alors, c'est l'est de l'ouest, l'est vers l'ouest. C'est ça. Mmh. Ok. Et combien de personnes ont été, si vous voulez, est-ce qu'il y a eu de blessés, est-ce qu'il y a eu de morts pendant le passage de ces différentes tempêtes? Il n'y a pas eu de blessés dans ces villages. Pourquoi? Parce que à Djonossade, par exemple, quand ça a commencé, avec le vent était tellement fort, les gens ont fui pour quitter et aller se réfugier en brousse. Voilà. Et vers le cimetière de Djonossade. Les gens sont allés vers le cimetière de Djonossade. Ok, d'accord. Depuis le passage de cette tempête-là, est-ce que ces populations, est-ce que ces victimes ont bénéficié d'aide de la part de l'État ou d'autres organismes? Les bénéficiaires n'ont pas encore bénéficié de l'aide de l'État.
les victimes. Les victimes n'ont pas bénéficié de l'aide de l'État encore. Est-ce que l'information a été remontée? L'information a été remontée. Les paysans du district et les victimes ont communiqué au téléphone avec le paysan de la commune rurale de Bienbourg, le colonel Elay Chagman Diagité, qui a noté de village en village, de jour en jour, tout ce qui s'est passé dans sa commune. Okay. Il a fait un résumé et a communiqué ça au préfet de Gawa, Elay Lampia Kouyaté. Lui aussi, il est venu ici à Conakry, il nous a rencontrés. Il a rencontré le bureau de l'Union de ressortissants des sous-préfectures. Des sous-préfectures à Conakry ici. C'est notre président, Elay Oumar Bombi. Bon, nous avons échangé, nous avons détaillé, nous avons pris la décision d'écrire. Et dès qu'il a reçu l'écrit du maire de la commune rurale de Bienbourg, maintenant, la communauté aussi, de qui a Conakry ici, c'est-à-dire l'URGC, l'Union de ressources de Gawa à Conakry, n'a qu'à faire non seulement des investigations, voir s'il n'y a pas de villages qui sont restés. Ouais. Nous avons fait ces investigations et nous avons écrit nous aussi. Ces écrits circulent aujourd'hui dans les différents bureaux. Et bientôt, nous allons envoyer les écrits au niveau du ministre de l'administration des droits et de la décentralisation. Bon, déjà, l'enveloppe est venue, on a mis sous la signature du préfet. Il a signé, il a retourné la lettre, nous n'avons pas derrière nous aujourd'hui cette lettre. Nous comptons dès demain accompagner les différentes lettres. Premièrement d'abord, c'est le ministre. Ensuite, au niveau des autres services. On a écrit encore une lettre sous la signature toujours de notre président, Elay Oumar Diallo, pour les ONG, les associations, les groupements, pour les demander une aide financière. Justement, j'allais en venir, et comme vous venez d'expliquer ici, vous avez saisi le gouvernement, vous êtes en train plutôt de saisir le gouvernement, puisque la mairie a saisi la préfecture à son tour a signé votre correspondance pour le département, et vous entendez continuer les démarches dans ce sens-là dès demain, jeudi 26 août 2021. Maintenant, à votre niveau, en tant qu'association des ressortissants de Bienbourg à Conakry, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous comptez faire et qu'est-ce que vous attendez des autres? Notre association s'est retrouvée, hommes et femmes, nous avons contacté par téléphone les autres associations. Déjà, elle a du mal pour le président même, il a fait déjà un geste. Il a donné 500 000 francs. Nous avons réussi. Le président de l'Union, le président de l'Union, Gawal à Conakry. À Conakry. Elle a du mal Bombi, il a fait un geste de 500 000 francs que nous avons encaissé déjà. Et Hadja Oumou et le bureau des femmes de Gawal aussi ont réagi. Elles nous ont envoyé plusieurs colis d'habits, des chaussures et de l'argent, une somme de 400 000 francs guinéens. Déjà, nous avons réceptionné ça, pas plus tard hier. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé le matin pour voir ce qui se trouvait dans les sacs qu'elle a envoyés. On a vu les différents sacs, pièce par pièce. Nous sommes en train de nous informer et attendre les autres aides encore. Elle nous a promis que ce n'est pas terminé, que les femmes de Gawa continuent et continueront cette aide. Les femmes de Gawa ont été très sensibles à ce coup de tempête
survenir dans notre commune rurale de Mélingol. En attendant, selon vos informations, quelle est la situation des victimes dont les cases et les maisons sont détruites, c'est-à-dire par rapport en tout cas, à leur abri? Les victimes continuent à demander secours jusqu'à présent. Vous savez, c'est maintenant que les grandes pluies continuent à Mélingol. Les grandes pluies continuent à arriver, à tomber dans notre sous-préfecture. Avant, c'était des vents violents. Après, les vents violents, par exemple, le premier, il y a eu des vents violents et les pluies. Le deux, il y a eu, le trois, il y a eu des pluies, des grandes pluies et des vents. Après, il y a eu interruption aussi. Après quelques jours d'interruption, les vents recommencent encore. Voilà, justement, lui, il a voulu savoir dans quel état se trouvent les victimes actuellement. Est-ce qu'elles ont trouvé un abri de fortune ou comment elles passent la nuit? Les victimes n'ont pas trouvé d'abri jusqu'à présent, mais la population des autres villages non touchés, tout le monde arrive, on cherche à les secourir, c'est-à-dire des ménagers qui évoluent dans les villages, viennent tous, chacun, ce qu'il veut pour raccommoder et leur permettre de vivre en attendant. Ça, ils ont cette assistance-là. Ils n'ont pas de l'argent, mais partout où il y a des vieux effets de tôle, ils apportent ça pour les aider à se protéger pour le moment. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ça continue. Et quel est l'appel que vous lancez en direction des bonnes volontés à présent? Nous demandons à toutes les bonnes volontés de l'UNBOL, des différentes communes rurales de Gawal, toute la préfecture de Gawal, des responsables des associations de Gawal, de nous aider. Pas seulement de Gawal quand même. De Gawal. Ensuite, de nous aider à élargir cette information auprès de toute la région administrative de Boké, et tout le pays, auprès de toutes les bonnes volontés de la nation guinéenne et des nations étrangères. Parce que réellement, Mélingol a été victime. Même au centre-ville, à Mélingol centre, l'école primaire n'a pas été épargnée. Il y a un écrit récent du sous-préfet et du maire de la commune de Mélingol qui en parle. Ils ont dit de ne pas occulter ça, de ne pas oublier que l'école primaire de Mélingol centre aussi n'a pas été épargnée. Elle est complètement détruite aussi par cette tornade. Justement, cette école, c'est une école de combien de salles de classe? C'est une école, je pense, de 8 salles de classe. 8 salles de classe. Totalement détruite. Totalement détruite. C'est-à-dire, toute la couverture a été enlevée par les vents, par la tornade. Donc, décoiffée. Décoiffée, totalement décoiffée. Et aujourd'hui même, ils sont sur le marché central de Mélingol. Ils ont couvert le marché central. Ils sont en train de faire des travaux, de quoi, de mur. De l'école non, du marché d'abord. Ils sont entrés aujourd'hui, ce qu'il m'a dit ce matin, le maire, il m'a dit que tout le monde se retrouve là-bas. Ensuite, ils vont analyser, ils vont se fixer une date pour faire face à l'école encore. Mais je demandais toujours à l'État une aide, parce que l'école a été détruite, complètement détruite. Okay. L'école primaire. Okay. Et vous n'avez pas demandé au maire s'ils ont prévu la réparation de l'école dans le budget communal, puisque ils ont reçu quand même une assistance de l'AMC. Je lui ai posé cette question. Il dit que c'est la réunion d'aujourd'hui et celle de demain autour de ça qui va nous dire la conclusion autour de la question. Je vais me répondre. Okay. Donc, vous demandez à toutes les bonnes volontés, à toutes les institutions, à tous les organismes
de venir en aide à ces victimes qui n'ont pas d'abri pratiquement depuis le passage de cette tempête. Oui. Nous demandons une assistance à toutes les victimes de ces différents villages pauvres qui, aujourd'hui, sont comme ça, sous la grande pluie. Vous connaissez que Gawa de Kundara, c'est la période de grande pluie. C'est à partir de septembre, à partir de fin août, septembre. Mois de septembre, les grandes pluies. Les 30 jours du mois de septembre et les 10 derniers jours du mois d'août, ce qui constitue les grandes pluies généralement dans notre zone. Quelle est l'adresse que vous donnez pour celui qui voudrait contacter et faire un geste à Chose à Sénégal? Pour faire les gestes, l'Union de résolution des Gawal, nous avons fait une réunion, on a désigné deux personnes. On a désigné le président de Melbourne, 622 10 66 08, le président. Encore. Et le trésorier. Encore. 622 10 66 08. C'est le numéro du président de l'Union des ressortissants de Melbourne à Conakry. À Conakry. Et c'est un numéro Orange Money? C'est un numéro Orange Money. Très bien. Et le deuxième, c'est le gestionnaire. Le trésorier. Le trésorier de Wilmbo. Monsieur Mahmoud Kouloubali. Ok, le trésorier. Le trésorier. Des ressortissants de Wilmbo à Conakry. De Wilmbo à Conakry. Très bien. 622. Son numéro 622. 04. 04. 65. 65. Et 12. Et 12. Encore. Et 622. 04. 65. 12. Ça, c'est le numéro de Mahmoud Kouloubali. Et c'est un numéro également Orange Money. Oui, c'est un numéro Orange Money, effectivement. Très bien. C'est les deux numéros qui vont recevoir les aides accordées à la sous-préfecture de Wenbo. Les aides humanitaires. Numéraires. Voilà, maintenant les aides matérielles. Les aides matérielles. On les dépose où? On les dépose. Celui qui peut le déposer, c'est Mahmoud Kouloubali. Il est au bord de la route à Koulamadina. À Koulamadina, il y a le commissariat de police. À droite, quand on quitte la ville. Et à gauche, Mahmoud Kouloubali habite là-bas. Lui, il peut recevoir, il n'est pas loin de la route, il est au bord de la route. Ok, Mahmoud Kouloubali qui habite à Koulamadina, dans la commune de Ratoma. Oui, quartier, il y a un centre. Commune urbaine de Ratoma, Mahmoud Kouloubali, notre gestionnaire, le gestionnaire de l'Union de l'Occident de Wilmour à Conakry. Il habite là-bas. Oui. Donc, ensuite, c'est moi, Mahmoud Sama Camara, le président de l'Union de l'Occident de Wilmour à Conakry, qui habite où? Qui habite à Sonfani, à Yataya, SOS. Ce qui veut dire pour toute aide, qu'elle soit financière ou matérielle, l'intéressé ou les intéressés peuvent appeler sur les numéros que vous venez de nous donner. Ou bien, on a dit, c'est le président même de l'Union des Sociétés de Gawa, El Hadj Oumar Bourdjian, c'est lui-même. Ok. Ok, merci. Et est-ce que vous avez un autre message, un dernier message? À l'endroit justement de ces bonnes volontés qui ne tarderont pas de se manifester pour venir au secours à ces victimes. Nous disons, vous savez que Wilmbourg est une sous-préfecture qui fait frontière avec la Guinée-Bissau. Une sous-préfecture principalement agricole. Bon, nous n'avons rien, si ce n'est pas les champs, l'élevage des pâtissiers, mais pas comme les autres sous-préfectures. Pas comme à Koumbia. Très bien. Voilà. C'est l'élevage des pâtissiers. C'est Koumbia qui vous fournit à l'air, à viande. Oui, mais c'est l'agriculture en riz, en arachide, en maïs, en manioc,
et pour les autres cultures. Ce qui se pratique à Benbo. Mais Benbo est caractérisé par une pauvreté, disons. C'est le grenier de Gawa. C'est le grenier de Gawa. Hein? Ou même le bouquet. De la région et de la moyenne Guinée en général avant. C'était ça. On disait Benbo est le grenier. Parce que le jour du marché, le jeudi, vous trouverez que les dames viennent les mercredis faire le commerce et attendre le jeudi, faire le marché le jeudi. Et il y en a qui passent la nuit, qui continuent le marché le vendredi, récolter ce qu'il faut récolter et continuer maintenant les autres marchés. Ok. Ok, merci beaucoup, monsieur le président. Je vous remercie, Guinée Matin, et je suis très content de votre site, le site Guinée Matin. Nous vous lisons dans nos téléphones, nous écoutons et nous lisons ce que vous dites. Vous vous intéressez aux problèmes du développement de notre pays, la République de Guinée. Donc, vous n'avez pas de parti pris, vous vous intéressez à tout le monde, à ceux qui sont pauvres, ceux qui sont moyennement riches et ceux qui sont riches, vous vous intéressez à tout le monde. C'est pourquoi nous aimons Guinée Matin. Merci, et Guinée Matin aussi, on vous aime. C'est ce que j'ai dit dans nos réunions, partout on se rend compte que Guinée Matin n'a pas de différenciation à faire entre les ethnies, entre les villages, entre les villes. On nous a dit Gabane, Koundara, ça c'est les préfectures du nord, des nordiques, des nordiques. Oui, nous sommes du nord. Nous ne sommes pas comme les autres dans tous les domaines. Mais Guinée Matin nous considère comme des Guinéens propres, des Guinéens qui évoluent en Guinée, qui sont des vrais Guinéens comme les autres Guinéens.